Sahim, o Kibraf, Yardina, Salamaliki. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. C'est son façon de parler obligeante de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Karigar Komboto Ustin Moraf Ustin Yok Katamaliki Bazumbaze Alamoran. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Au sort, Bilalem Sadok, Babali Oraka Fouam. Belmen. Il dit que vous alliez vite avec lui pour préparer la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. C'est tout à fait drôle. Oh, quel dupe! Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourra pas mieux jouer. Je vous prie, monsieur, de nous vouloir aider Séan dans une affaire qui s'y passe. Oh, oh. Tu t'aurais reconnu comme te voilà ajusté. Vous voyez? De quoi ris-tu? D'une chose, monsieur, tu le mérites bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque c'est toi qui l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour laisser place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire tandis que je vous conterai le reste.
auriez l'impertinente de parler de la sorte à ma mamouchéi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire ma mamouchi. Que voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je! Je suis mamamouchi! Quelle bête est-ce là? Mamamouchi! C'est-à-dire, en notre langue, paladin! Baladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin! C'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie! Quelle cérémonie donc? Mahomet a perdiordi! Qu'est-ce que cela veut dire? Giordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh ben, quoi, Jourdain? Voler phare, une paladina, des Giordina. Comment? D'Arthur Bontar, con galera. Qu'est-ce à dire que cela? Père défendeur, Palestina. Que voulez-vous donc dire? Dara, dara, basta, nara. Qu'est-ce que c'est que ce jargon-là? Rontene, ronta. Qu'est-ce que c'est, ultima affronta? Qu'est-ce que c'est donc que tout cela? Oula, chabelle, dou. Non. Oula, chabelle, bou. Belle. Oula, bab. Oula, belle. Badachou. Oula da patachou, non, oula babaladou, oula la balad, oula la balachou, bala babalada, oula la balachou, bala babalada, oula babalachou, bébé, bala balada balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou! Insolente! Portez respect à monsieur le mamamouchi! Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons! Courons l'empêcher de sortir! Ah! Voilà justement le reste de notre écu! Ah! Je ne vois que le chagrin de tous les côtés! Oui, madame, vous verrez la plus plaisante chose du monde. Et je ne crois pas qu'on puisse trouver dans tout le monde un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite qu'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, nous avons ici, madame, un balai qui nous revient et que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut bien voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu des apprêts magnifiques et ce sont là des choses dorantes que je ne peux plus souffrir. Oui, je vais enfin empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Ce s'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage. Ah, madame! Est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution?
ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien que, avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. Ah. J'en userai bien de tous les deux. Mais voilà notre homme.